Welcome to Gunship. Multiple bogeys incoming. Donc on a convenu avec les animateurs d'Informaction que les micros vont circuler dans la salle. On demande évidemment que ce soit des questions ou des interventions très brèves pour permettre à un maximum de gens de contribuer et d'échanger ensemble. Pendant que les micros se mettent en place, je voudrais faire, désolé, ici aussi on a quand même de la publicité, je voudrais faire la publicité pour le stand que vous avez vu à l'entrée là, de Jean-Marie dans cette lieu. Philistin, c'est une coopérative de produits palestiniens avec de l'huile d'olive qui est excellente et des produits d'artisanat. Et pourquoi je dis ça? Parce que il faut joindre la parole, l'action à la parole. Les Palestiniens se battent. On dit que vous avez des autorités dans ce pays qui disent que appeler au boycott d'Israël, c'est illégal. C'est rigolo parce que en réalité, le boycott, il existe déjà et c'est Israël qui boycotte les Palestiniens. Et donc, ils essayent d'étrangler leur activité économique. Et c'est pour ça que, en plus de la bataille politique, médiatique, la bataille économique est importante. Jean-Marie travaille avec des artisans palestiniens, des producteurs locaux, qu'il connaît très bien. Et ce sont des gens qui méritent un énorme soutien. Donc, s'il vous plaît, prenez-lui une bouteille d'huile, prenez les produits qu'il a amenés et aidez les Palestiniens à résister. Voilà, c'était la fin de la page publicité. Maintenant, on prend vos questions ou interventions. Je voudrais intervenir sur la Syrie. Je n'ai pas besoin d'apprendre à Michel Collomb l'histoire qu'a subie la Syrie avec les accords Sykes-Picot. Pour moi, les accords Sykes-Picot ont été le début du démantèlement de la Syrie. Parce que quand on regarde l'histoire et comment ça s'est passé, d'abord, quand vous regardez les cartes de l'Empire ottoman, tout le territoire qui s'étend du sud de Montorus jusqu'à la mer Rouge était appelé Syrie, des fois la Grande Syrie. Et à l'intérieur de cet ensemble, des fois apparaît le territoire qu'on appelle Palestine, mais jamais Jordanie ou Transjordanie. Le Liban, il était signalé par la montagne libanaise. Et la ville de Tripoli au Liban se prénommait Tripoli de Damas, Tarablos-Shem. Or, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ou plus exactement, immédiatement après l'installation du mandat français et anglais sur ce territoire, d'abord, on a amputé la Syrie de la Palestine et de la, ce qu'on Peut-être appelle la Jordanie. Peut-être qu'il faut rappeler pour les jeunes, bien que nous n'étions pas là aussi, que les accords Sykes-Picot ont été signés en 1916 oui. Par le représentant de la Grande-Bretagne et de la France pour se partager le Moyen-Orient. Merci d'avoir apporté cette précision. Il me semblait qu'elle devait être connue. Bon, en 1923, la France détache le Liban de la Syrie. Il y a eu un conflit, ou tout au moins une épreuve de force, entre le parti arabe qui était au Liban, qui prônait l'inclusion du Liban dans le monde arabe, et qui était soutenu par le Quai d'Orsay, et le parti chrétien autour de Mgr Houek, le patriarche maronite, qui était soutenu par l'armée. Il a fallu attendre 1923, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la guerre, pour que ce soit l'armée qui triomphe et qu'on détache le Liban. On a détaché le Liban, on a rendu service, ou plutôt on a donné raison à Mgr Houek qui voulait un État purement maronite, mais on n'a pas hésité à annexer la Beka, qui est le territoire le plus fertile du Liban et qui est peuplé en totalité de musulmans. Et puis, pour ne pas être en reste, en 1936, la France, voulant s'attirer les bonnes grâces de la Turquie, cède le district d'Alexandrette à la Turquie. Or, pour les gens qui ne sont pas au courant, le district d'Alexandrette, c'est la partie peut-être la plus riche de la Syrie. Pourquoi? Parce qu'elle est arrosée par l'Oronte, le seul fleuve qui va du sud au nord,
qui s'incurve au niveau d'Antioche pour se jeter dans le golfe d'Alexandrette et qui arrose une terre qui ne demande pas mieux qu'à produire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que le port d'Alexandrette, c'est le seul port en eau profonde de la façade orientale de la Méditerranée. Et troisième chose importante, c'est que le port d'Alexandrette était le débouché naturel de la ville d'Alep, qui était la ville la plus industrielle de la Syrie. Or, je voudrais vous demander, Monsieur Colomb, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se fait en Syrie actuellement, avec Daesh, avec des revendications d'autonomie des Kurdes et autres, n'est pas une poursuite du dépeçage de la Syrie qui a commencé en 1915? Je crois que c'est effectivement une très bonne remarque. Les faits que vous avez décrits, ça montre qu'effectivement, quand on nous parle à la télé d'un conflit actuel, on nous fait un close-up sur ce qui est en train de se passer là, maintenant. Et en général, d'ailleurs, on ne montre qu'un camp. Il n'y a jamais une vue sur le long terme, sur la durée. Or, pour comprendre les conflits qu'il y a dans une région, si on ne connaît pas l'histoire, on est aveugle. Et on pourrait donner toute une série d'autres exemples. Je pense au Congo, je pense à l'Irlande, où effectivement l'histoire est carrément occultée. Quand on nous dit, oui, Bachar, il contrôle un pays voisin, c'est un impérialiste, un annexionniste, il faut absolument le renvoyer chez lui, ou avant Bachar, son père, les colonialistes français cachent tout ce qu'ils ont fait avant qui a mené à cette situation. On a en fait le chic pour rendre les États qui sont un peu trop forts plus faibles et non viables et non gouvernables. On a effectivement affaibli énormément la Grande Syrie qui existait parce que quand les colonialistes viennent dans une région, ils n'aiment pas qu'on leur résiste et donc ils ne veulent pas un État fort en face d'eux. Tout le travail de la France et de la Grande-Bretagne, ça a été ça. D'ailleurs, c'est une méthode où les Britanniques ont montré l'exemple. Les Britanniques, partout où ils sont passés, se sont arrangés pour placer des bombes à retardement. Sachant qu'ils allaient devoir quitter l'Inde parce que la résistance était trop forte, ils se sont arrangés pour la faire éclater entre Inde et Pakistan et pour vraiment semer la zizanie pour que la population locale se battent entre elles au lieu de se battre contre l'envahisseur. Les Britanniques ont fait la même chose avec l'Irak. En 90-91, les États-Unis et leurs alliés nous disent « Saddam Hussein a envahi le Koweït, ça c'est pas bien, nous allons faire respecter le droit international et on va le renvoyer chez lui ». On ne dit pas que ça fait environ 40 ans que Israël envahit ses voisins tous les 15 jours. Non, ça c'est bien. Mais si Saddam vient au Koweït, non, ça il n'a pas le droit. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le gouverneur britannique de l'époque a dit en 1920, je crois, dans une lettre à Sa Majesté, que nous allons diviser l'Irak et le séparer du Koweït, qui était en fait la 17e province de l'Irak, c'est juste une province de l'Irak. Nous allons séparer parce que c'est l'accès vers la mer, et donc comme ça l'Irak sera beaucoup plus affaibli. Et donc tous les pays arabes de la région n'ont jamais reconnu cette formation d'un Koweït soi-disant indépendant, qui était en réalité la marionnette des Britanniques et puis des États-Unis. Donc c'est effectivement une constante au niveau de l'histoire de cacher tous les éléments qui permettent de comprendre pourquoi les gens sont en conflit maintenant. Ce que je propose de faire, puisque j'ai parlé des quatre principes de la propagande, pour ne pas trop mélanger, prenons d'autres exemples sur des questions de l'histoire de certains pays et on verra les autres principes un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque ou une application sur l'histoire ? Sur le Sahara. Il faut attendre le micro. Ici devant. Si on peut laisser passer le micro.
au premier rang. Bonsoir. J'ai une question générale sur la caractéristique de ce qu'on s'appelait Saddam Hussein. Lui est la personne qui a utilisé 80% des armes biochimiques contre les Kurdes et les Iraniens. C'est lui qui a envahi l'Iran et il s'appelait en province qui s'appelle Khuzestan. Mais là, vous avez le principe 3 de la diabolisation. Je veux bien qu'on en parle, mais est-ce qu'on peut en parler à ce moment-là? Ce que c'est mon question, c'est que pourquoi on doit être malheureux que l'États-Unis a finalement décidé de détruire son système. Et c'était la deuxième fois, comme vous avez dit, qu'il a essayé de occuper un territoire que cette fois-ci, bien sûr, c'était l'intérêt de l'États-Unis. L'autre fois, non, l'Iran était contre les États-Unis et l'Irak, bien sûr, il voulait libérer les Arabes, comme il disait. Et oubliez tout ça, il a utilisé 80% des armes biochimiques qui étaient censurées à l'Occident à l'époque. Mais nos peuples, je suis iranien, nos peuples ont encore souffert après plus de 30 ans. Il y a des gens qui ont encore souffert, qui encore poussent à cause des civiliens, je parle, à cause de ces armes biochimiques. Les Kurdes, qui sont libérés maintenant, et aussi les Iraniens. Voilà, c'est ma question. Bien. Je n'ai pas dit ce soir que Saddam Hussein était un ange. Et la question est de savoir pourquoi les États-Unis ont d'abord soutenu Saddam Hussein et puis l'ont attaqué. Il n'était pas différent avant ou après, donc on doit essayer de comprendre surtout la stratégie de ceux qui tirent les ficelles. Comme vous le savez en venant de la région, les États-Unis craignent énormément la révolution qui a eu lieu en Iran. Et donc, comme c'est un pays dont ils estiment qu'il leur appartient, qu'ils doivent contrôler le pétrole et la position stratégique de l'Iran, c'est intéressant d'ailleurs, puisqu'on était dans le cours de l'histoire, de dire que les États-Unis en Iran ont renversé le premier ministre Mossadegh par un coup d'État en 51 ou 53, je ne sais plus, parce que lui voulait utiliser le pétrole pour sortir son peuple de la pauvreté, et ils l'ont remplacé par le Shah d'Iran, le Shah Pahlavi, qui était un dictateur féroce avec la SAVAK, la police politique, qui a torturé, assassiné 30 000 personnes. Et donc les États-Unis sont furieux que l'Iran se libère avec sa révolution. Après, il y a une lutte de pouvoir entre Khomeini et les communistes et différents courants, et il y a beaucoup de répression de la part de Khomeini, et les États-Unis veulent absolument neutraliser l'Iran et donc vont effectivement armer Saddam Hussein pour attaquer l'Iran. Mais dès cette période-là, il y a une politique très machiavélique. Henry Kissinger, qui était à l'époque le grand chef de la politique étrangère des États-Unis, disait à propos de la guerre Iran-Irak qui a duré 8 années, de 80 à 88, qui a fait énormément, qui a été horrible, qui a fait énormément de victimes avec des deux côtés quand même, l'emploi des armes chimiques, il faut le dire. Henry Kissinger disait, il faut, du point de vue des États-Unis, que cette guerre dure le plus longtemps possible et qu'il en meure le plus possible des deux côtés. Henry Kissinger, prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Donc, ça montre que les États-Unis, mais ils s'en foutent que quelqu'un est un dictateur, qu'il emploie des armes comme ceci ou comme ça. La seule chose qui compte, c'est leurs intérêts. D'ailleurs, Henry Kissinger, un jour qu'il était honnête, a dit « Les grandes puissances n'ont pas de principe, elles ont seulement des intérêts. » Et donc, on a effectivement poussé l'Iran contre l'Irak des deux côtés. Selon moi, des erreurs ont été commises par ces deux pays qui sont tombés dans le panneau et qui se sont fait la guerre au lieu de se tourner contre leur ennemi. Mais quand est-ce que les États-Unis décident d'attaquer Saddam Hussein? Pas à ce moment-là, mais quand Saddam Hussein, en 90, commence à dire que les pays arabes et musulmans devraient absolument s'unir, contrôler leurs ressources du pétrole
les utiliser pour développer leur pays, leurs économies, ce que lui a fait. L'argent du pétrole était réinvesti dans l'enseignement, dans la santé, dans l'émancipation de la femme. J'ai visité l'Irak, vous aviez des femmes qui conduisaient des voitures, qui allaient à l'université, qui dans les administrations étaient les supérieures hiérarchies des hommes. Donc oui, c'était pas un tendre, mais de l'autre côté, il y avait des choses positives. Et c'est pour ça que les États, il a aussi appelé à cesser d'échanger le pétrole en dollars. Et ça, quand un dirigeant d'un État signe ça, il signe son arrêt de mort. Parce que les États-Unis dépendent absolument du contrôle du dollar sur le marché pétrolier et économique en général. Donc vous voyez, je pense qu'il faut donner l'ensemble. Je ne vais jamais dire que Saddam Hussein, je vais approuver ce qu'il a fait. Au contraire, mais la raison pour laquelle les États-Unis l'ont attaqué n'est pas ça. La raison est que les États-Unis voulaient empêcher les peuples de la région de se libérer. On doit toujours regarder les intérêts stratégiques des États-Unis. Vous savez, c'est à ce moment-là, ça commençait, mais maintenant c'est très visible. Les États-Unis sont une puissance économique en déclin. Ils ont eu 50% du produit industriel mondial en 45. Bon, ça c'était exceptionnel. Après, ils sont descendus à 30%. Maintenant, ils sont à 21 ou 20%. Et la CIA, dans ses prévisions qu'elle fait pour les années 2030, dit que les États-Unis seront à 10-11% de la production mondiale, comme l'Europe, comme la Chine, et que ce sera une puissance parmi d'autres. Ça, c'est la hantise des États-Unis. Et donc, pour éviter ça, il faut absolument garder le contrôle sur le pétrole et du Moyen-Orient. Et donc, on n'a pas brisé seulement Saddam Hussein. Vous savez qu'on a brisé Mossadegh. On a essayé de bombarder l'Iran. On attaque les Palestiniens, on a renversé Kadhafi, on veut prendre le contrôle de la Syrie, on a voulu renverser Nasser. Je rappelle que le Monde, en 1956, quand les Britanniques et les Français ont bombardé l'Égypte, le Monde titrait que Hitler et Nasser, c'était la même chose. Et dans la bouche de Mitterrand et de Mollet, vous aviez des choses comme ça. Nasser égale Hitler. Donc, on doit voir l'ensemble du tableau et justement ne pas se laisser entraîner dans des conflits pays contre pays, à mon avis. Voilà. On a parlé sur Daesh et on va y revenir, mais tant qu'on est sur les questions d'histoire, on peut prendre peut-être des exemples. Bonjour, je suis complètement d'accord avec vous, avec les 5 principes de la propagande que vous avez évoqués, mais je voudrais bien savoir votre opinion sur la propagande russe qui est montée contre l'Ukraine à ce moment-là. Parce que, par exemple, en termes de diabolisation, ils sont vraiment les pros de ça. Quand ils disent à la télé que en Ukraine, les soldats qui vont protéger leur pays, l'État leur donne 2 esclaves. Quand ils racontent l'histoire à la chaîne principale russe, que dès que les soldats ukrainiens sont rentrés, ils ont libéré une ville. Ils ont crucifié devant tout le monde un garçon de 3 ans. Ils ont même trouvé apparemment une témoin qui racontait ça en pleurant, qui raconte que on mange des bébés russes, qu'on les élèves sont obligés de tuer les rouges-gorges. Tout c'est on nous transforme vraiment en diable. C'est le premier point que je voudrais bien savoir à votre qu'est-ce que vous en pensez. Et deuxième chose, vous avez de parler de Maïdan. Vous avez montré une image qui est très bien utilisée par la propagande russe. Je voulais vous rappeler qu'en France, 25% de la population vote pour Marine Le Pen. En Ukraine, pendant les dernières élections, 3% des électeurs ont voté pour les extra-droites. 3%. Deuxième chose, il faut rappeler qui est Bandera, qui était dans la situation historique très très difficile pour lui. Il a dû choisir entre deux camps, et lui, je pense qu'il avait plus peur de terrorisme rouge, que peut-être il savait pas exactement qu'est-ce qui se représente Hitler. Et après, il a passé quand même 4, comme il a refusé de collaborer avec Hitler, il a passé 4 ans dans les camps de concentration, et personne n'en parle. Par contre, en Russie actuelle, il y a Staline, qui ressort partout, que maintenant, cette année, on a amené des fleurs à son monument, que c'est lui qui a signé le pacte germano-soviétique, qui est maintenant partout, maintenant, à toutes les, le 1er mai, le 9 mai, maintenant, il y a des portraits de Staline pour tout, qui est responsable quand même des milliers de morts. Et Bandera, par rapport à lui, c'est vraiment, on va dire, un ange, quoi.
Voilà, merci. Bien. Je crois qu'on pourrait consacrer toute une soirée aux questions que vous avez évoquées, donc malheureusement on ne pourra pas, mais je vais quand même relever deux choses qui me semblent pas correctes. D'abord, quand vous dites que Staline a signé un pacte, donc une alliance avec Hitler, c'est faux. C'est faux. Il y a des travaux d'historiens très sérieux, comme Annie Lacroix-Riz, qui me semble une bonne oratrice pour creuser ce genre de questions, qui montrent que l'Union soviétique a proposé à Londres et à Paris une alliance pour arrêter Hitler et que la Grande-Bretagne et la France l'ont refusé. Il y a eu vraiment une alliance parce qu'ils étaient très conscients du danger et ils ont dit il faut arrêter Hitler avant qu'il soit trop fort, et la Grande-Bretagne et la France ont refusé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y avait des tendances extrêmement fascisantes et pouvoirs forts en France et en Grande-Bretagne à cette époque, en Belgique aussi. La grande majorité du patronat trouvait que Hitler, c'était une très bonne chose, qu'il allait détruire le socialisme, qu'il allait éliminer les syndicats, la contestation ouvrière. Je rappelle qu'en France, on avait le Front populaire, on avait un mouvement ouvrier très fort, la bourgeoisie tremblait, il y avait des tentatives de former des mouvements fascistes en France aussi. Et donc, la Grande-Bretagne et la France ont refusé en disant que Hitler aille démolir l'Union soviétique, il va travailler pour nous. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de l'Union soviétique, ce serait mériterait une soirée entière. Je suis moins caricatural que vous là-dessus, je pense qu'il y a des choses bien et des choses moins bien et qu'il faudrait faire un vrai bilan. Mais une chose est certaine, ils ont refusé de faire cette alliance. Et les États-Unis ont refusé aussi. Je rappelle que Henry Ford, le célèbre patron des États-Unis, disait « Nous, États-Unis, devons faire en sorte, et c'est un peu une obsession chez eux, que la guerre dure le plus longtemps possible et que personne ne gagne. Pourquoi ? Parce qu'Henry Ford était aussi d'accord avec Hitler, il était d'ailleurs un raciste anti-juif acharné, il voulait aussi qu'on détruise l'Union soviétique, mais les États-Unis voulaient aussi capter l'Empire britannique. La Grande-Bretagne n'arrivait plus à tenir ses colonies et donc on voulait le récupérer. Et donc, comme la Grande-Bretagne supportait tout l'effort de guerre de l'Allemagne à un moment donné, les États-Unis lui ont dit « on vous prête de l'argent, mais à la fin, vos colonies, c'est pour nous », ce qui est arrivé. Donc, c'est beaucoup plus que machiavélique que ce que vous avez dit. Et quand l'Union soviétique a vu « tiens, on refuse de faire une alliance avec nous, on sait que Hitler va nous attaquer », le pacte était simplement pour gagner du temps, permettre à l'industrie et à l'industrie de l'armement de s'équiper le plus vite possible, ce qui a été fait. Et si Hitler a été vaincu, je vous rappelle que c'est grâce à ces soviétiques que vous n'aimez pas et que ce n'est pas grâce au patronat français qui a collaboré, ce n'est pas grâce aux États-Unis qui ont attendu la dernière minute pour venir sauver leur marché en Europe. Donc, je crois que ça mériterait toute une soirée, peut-être avec Annie Lacroix-Riz, je ne sais pas, pour faire un vrai débat. Mais on peut aussi inviter un historien qui défend cette idée que les États-Unis nous ont libérés. Dans le dernier bouquin que nous avons publié de Robert Charvin, « Faut-il détester la Russie ?», il y a la réponse à certaines des questions que vous posez. Et j'ai introduit ce bouquin par une petite préface en commençant ainsi. En 1945, les Français savaient. En 2015, ils ne savent plus. En mai 45, à la question « Qui a le plus contribué à la défaite allemande ?», 57% des Français répondaient « L'Union soviétique » et 20% seulement les États-Unis et 12% la Grande-Bretagne. Mais 50 ans plus tard, 49% des Français pensent que ce sont les États-Unis qui ont libéré l'Europe, seulement 25% l'URSS. Et depuis quelques années, ça a encore baissé. Et ça vient de quoi ? Ça vient de la propagande de guerre, c'est-à-dire du film « Le jour le plus long »,
de ce genre de série aussi qu'on a. Ça vient de Monsieur Obama qui vient sur les plages de Normandie et on n'invite même pas Poutine ou à la dernière seconde et des choses comme ça. Quand l'Union soviétique fait son défilé pour célébrer la victoire le 9 mai 45, tous les autres refusent d'y aller. C'est une ingratitude énorme. Il y a 23 ou 27 millions de soviétiques qui sont morts pour que les Européens puissent rester libres. Je crois que ça doit être dit. Et je sais qu'il y a cette version sur Bandera, oui, c'était un patriote, etc. De mon avis, de l'avis de beaucoup d'historiens, Bandera était un fasciste. Les méthodes qu'ils ont employées contre la population étaient vraiment fascistes, comme les nazis eux-mêmes l'ont reconnu. Et je crois que c'est quand même grave que les États-Unis, pour faire ce coup d'État, se sont appuyés sur Pravi Sektor, sur Svoboda, qui sont des fascistes, excusez-moi. Il suffit d'écouter leurs discours, il suffit de voir ce qu'ils disent des Juifs, il suffit de savoir qu'on a mis M. Artsenyuk là, qui est un protégé de George Soros, le philanthrope bien connu, après avoir ruiné des pays entiers, maintenant il prétend faire la philanthropie, et on a placé un premier ministre qui était une marionnette. Alors, si les Ukrainiens ne l'aiment plus et se battent entre eux pour le remplacer, tant mieux, mais il faut quand même bien dire de quoi il s'agit. C'est dommage de présenter l'Ukraine d'une façon aussi caricaturale. L'Ukraine, c'est intéressant, dans les médias français, on n'a pas du tout eu l'histoire de ce pays. C'est de nouveau comme si on a un dirigeant et toute la population contre lui. Le président qui avait en Ukraine à ce moment-là était un oligarque et un corrompu, ça, il n'y a pas de discussion. Mais tous les autres et ses adversaires aussi. Donc on est dans un pays qui est, suite aux événements qui se sont passés il y a une vingtaine d'années, en proie à des oligarques qui se remplissent tous les poches sur le dos de la population, ça c'est indiscutable. Après, c'est un pays, comme le mien, qui est composé de deux moitiés. Vous avez des gens qui historiquement sont liés à la Pologne, sont liés à l'Ouest, sont liés plus à l'agriculture, et vous avez des gens qui sont liés plus à l'Union, à la Russie, plus industriels, et qui sont plus de ce côté-là. L'histoire a fait, et la décision de la Russie a fait qu'on a mis ces deux morceaux ensemble, justement parce qu'on ne voulait pas que la Russie soit trop forte, et on a formé l'Ukraine. Après, le problème, c'est que les États-Unis et la France, et l'Allemagne, etc., ont joué là-dessus. Et Yanukovych, il a été mis à la porte, pourquoi ? Parce que on lui proposait d'intégrer l'Union européenne, et l'accord était vraiment pas favorable. Alors je m'excuse, mais intégrer l'Union européenne, c'est pas forcément un cadeau demandé aux Grecs s'ils sont contents de ce qu'on leur a fait. Donc, que ce soit un bourgeois et un oligarque, c'est une chose, qu'ils disent c'est pas avantageux pour mon pays de venir dans l'Union européenne, ben c'est son droit. Et comme il a refusé ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On a eu les Européens et les Allemands surtout qui sont venus et qui ont conclu un accord. Ok, on va faire des nouvelles élections pour réélire un président et on va essayer de garder le calme. Les Européens font l'accord. Pour moi, ça, c'est quand même bien. Que font les États-Unis ? Ils vont directement engager Svoboda et Pravi Sektor pour déclencher un coup d'État avec des meurtres et renverser le président alors qu'il y avait des élections qui allaient avoir lieu. Et vous avez quand même entendu cette déclaration très polie et très éclairante de la représentante des États-Unis en Ukraine, Madame Victoria Nuland, qui a dit, elle était au téléphone avec quelqu'un, je ne sais plus qui, de l'Union européenne, non des États-Unis, mais qui a dit, oui, mais les Européens vont pas être d'accord. Et cette dame a dit de façon très distinguée, fuck the EU, baiser l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun pour ses intérêts, tout le monde veut contrôler l'Ukraine, parce que, au point de vue agricole, c'est très riche, parce que les pipelines passent par là, et parce que M. Brzezinski a dit depuis 20 ans, si on veut encercler la Russie, il faut contrôler l'Ukraine, il faut contrôler l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, et à ce moment-là, la Russie, elle est coulée. Donc, si on ne parle pas, justement, des intérêts et de l'histoire, je m'excuse, l'histoire de l'Ukraine est incompréhensible. Pour moi, il y a des conflits entre les Ukrainiens, ça devrait se résoudre d'une façon pacifique, le pays devrait garder sa neutralité, un pont entre l'Europe et la Russie, et avoir le respect, interdire la langue russe, interdire le parti communiste, faire les mesures comme on fait avec le nouveau gouvernement, c'est pas comme ça qu'on va réconcilier les Ukrainiens et ramener la paix. Ça, c'est ce que je pense.
Oui. Alors, c'est à moi de prendre la parole. Merci d'être là. Moi, par rapport à tout ce qui est soulevé comme question, la propagande de guerre, c'est évident qu'elle est liée à notre histoire. Madame, je pense que c'est bien que maintenant que vous avez placé votre intervention, vous restez quand même écouter les autres gens de façon respectueuse et profiter ensemble de tout ce qui se passe. Madame, je vous invite à rester. Non, mais je parle de madame qui nous a interpellés. Vous intervenez, mais restez, écoutez les gens. Non, je ne propose pas que madame continue. Je trouve dommage que vous partiez. Je ne peux pas écouter les mensonges comme ça. Il voit qu'il est resté écouter les autres. Parce que si je vois, je sais ce qui se passe en Ukraine. Exactement parce que je lis et je suis complètement dedans. Quand vous racontez complètement au contraire, quand vous diabolisez l'Ukraine, vous dites que Staline sert bien à la Là, vous déformez. Là, vous déformez. Mais, madame, on trouve en Ukraine et en Syrie des gens qui défendent des points de vue complètement opposés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler et écouter les points de vue? Ok. Allez, j'ai eu tort, j'ai essayé, mais voilà. Je vous en prie. On va reprendre les questions. Désolé. En fait, moi, je suis aussi des fois dans le même genre de cas à essayer d'informer autour de moi des amis, des copains sur ce qu'on croit savoir ou ce qu'on s'est fait bourrer la tête de certaines informations. Tout ça, c'est une logique de propagande. Et ce genre de réaction passionnée mène pas à grand-chose parce que finalement, je clôt le débat, j'aboie alors que je pars de bonnes intentions. C'est dommage pour madame, pour nous aussi, de pas comprendre un peu mieux. Et moi, je me pose la question aussi par rapport à plus actuellement ce qui se passe en France. On est aussi victime d'une propagande actuelle qui est en marche et à laquelle on n'y échappe pas. C'est le droit de revendiquer nos droits, d'exister aussi, d'arrêter de survivre. Et moi, je me pose la question, je vais être beaucoup plus terre à terre et peut-être un peu dans une projection à court terme de ce qui va se passer, de ce qui se passe en ce moment. Je me pose la question de la démocratie, être un démocrate, croire en ses valeurs, par quoi ça passe, par quoi elles sont régies, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me questionne sur la pertinence d'un vote par rapport à l'année prochaine. Alors, je veux pas animer les passions, mais je veux juste avoir votre point de vue sur ces valeurs de démocratie. Quelles sont-elles pour vous et comment peut-on y croire encore? On est un petit peu dans les conclusions à tirer, mais oui, c'est bien, c'est une question effectivement fondamentale. Je pense que il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas d'information correcte. Voter tous les 4 ou 5 ans, en étant désinformé, est-ce que c'est vraiment un choix démocratique? Je ne veux pas dire par là qu'on s'en fiche de la démocratie, qu'il ne faut pas voter et qu'il faut ne pas donner d'importance à ce concept. Au contraire, je pense qu'il nous faut beaucoup plus de démocratie que maintenant. Et la démocratie, pour moi, ce n'est pas seulement noircir une petite case tous les 4 ou 5 ans, c'est avoir les infos dont on a besoin pour comprendre les enjeux. Et là, nous sommes en train de parler beaucoup de l'international, qui est ma spécialité. Et je pense qu'effectivement, les guerres de la France et des pays comme ça ne sont jamais décidées démocratiquement. D'ailleurs, en général, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vrai débat, et les gens sont trompés sur toutes les guerres. Donc, un acte aussi grave que la guerre, où on va aller tuer des gens. Je rappelle qu'en Libye, on a tué 100 fois plus de gens que le nombre de victimes qu'on avait prétendu aller sauver. En Irak, on a 4 millions de gens qui ont été tués en Irak et en Syrie à cause des guerres humanitaires déclenchées par l'Occident. Donc, ne pas avoir de démocratie sur des actes aussi graves que d'aller attaquer, bombarder, détruire un pays, plonger des populations dans la misère, dans le désespoir, dans la souffrance, les obliger à traverser la Méditerranée au péril de leur vie, et il n'y a pas de vote là-dessus, il n'y a même pas d'info,
Ça, c'est révoltant. Je crois que le travail qu'on doit faire, c'est justement de construire ensemble une information alternative, d'apporter les informations concrètes aux gens. Alors, il y a un problème. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et si on veut discuter avec des gens qui ne sont pas proches de soi et qui ne sont pas déjà des convaincus, c'est plus important, mais c'est difficile. L'exemple qu'on vient d'avoir, bon, la personne n'était pas vraiment venue pour écouter, mais pour lancer un message et dire qu'elle n'était pas d'accord, c'est son droit. Mais on rencontre souvent des gens qui sont heurtés par ce que nous on dit. Quand vous parlez d'Israël dans les réunions de famille, je ne sais pas si ça se passe toujours calmement, mais c'est difficile. Et là, j'ai essayé justement à la fin du bouquin « Israël, parlons-en » que j'ai conclu avec un petit texte « Comment parler d'Israël ?» J'ai conclu en essayant de proposer une méthode. Je crois qu'il faut éviter d'aller à la confrontation et il faut arriver à faire réfléchir les gens. Ça veut dire que si on discute avec quelqu'un qui est d'un avis même très choquant, il faut, un, l'écouter, pas dire tout de suite « Non, c'est pas juste, moi je sais, etc. » mais vraiment écouter. Essayer de comprendre pourquoi cette personne dit ça, parce qu'il y a toujours un fond positif. Il y a toujours une raison, quelque chose qu'elle croit défendre, qui est juste, et donc il faut essayer de comprendre vraiment sa motivation, connaître quelles sont ses sources d'information et faire porter la discussion sur les sources d'information. Tu t'informes comment? C'est TF1, c'est RTL, c'est Le Monde, etc. Est-ce qu'ils sont fiables? Prendre des exemples, regarder, et ensuite ne pas discuter opinion contre opinion, mais essayer de discuter sur des faits. Amener des faits que les gens ne connaissent pas, qui sont simples à vérifier, essayer d'avoir des sources qui viennent carrément d'Israël, ou des États-Unis ou des milieux officiels, parce qu'on peut trouver ça et là des choses utiles, et ensuite soulever des contradictions. Dans le genre, ah oui, tu dis ça, tu dis qu'ils font ça, mais alors comment expliques-tu que ? Et pas tout de suite donner la réponse, mais vraiment faire réfléchir. Je pense que si on parvient à faire douter la personne et à la faire réfléchir, après ça prendra du temps. Vous n'allez pas le convaincre ou la convaincre en une demi-heure ou une heure. Mais on se revoit après un certain temps et les gens ont réfléchi, donc ils ont pris d'autres infos. Et je crois que c'est vraiment une méthode de patience pour discuter. C'est plus difficile, mais c'est vraiment que comme ça qu'on peut arriver à faire changer l'opinion. Je crois, voilà, c'est ce que, comme ça, je crois, il y a pas de démocratie sans un vrai débat sur l'info. Oui, il y a plein de questions, c'est bien. On te laisse parler. Ça y est. On peut peut-être, alors si vous en sentez capable, ce qui serait peut-être bien aussi, ce serait éventuellement de prendre plusieurs questions en même temps pour pouvoir aller plus vite. Mais bon, c'est peut-être difficile au niveau logistique. Donc, mais moi, je vais essayer d'être plus court. Voilà. Parce que, voilà, en gros, pour une petite info, il est quand même 21h30. On avait dit qu'on arrêtait vraiment les discussions à 22h15 pour pouvoir après permettre d'avoir un petit moment d'échange plus décontracté dehors, à l'extérieur, avec un petit pot. Voilà. Écoute Arthur, je suis d'accord avec toi. Prenons 4-5 questions rapidement et je vais essayer d'être plus court. Bonsoir à tous. Alors, malgré mon jeune âge, je n'ai que 35 ans à la fin du mois. Cela fait 20 ans que je prépare un projet pour la paix contre les haines. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle dans cette conférence et de manière générale dans le climat politique et social planétaire, c'est l'absence dans les débats d'une dissociation franche est très précise entre les gouvernements et les peuples. Alors c'est tenté ce soir, c'est ça, c'est louable. Ceci dit, on oppose bien souvent les pays dans les débats, alors qu'en fait, il faut opposer la notion de gouvernant et de peuple, tout simplement, et cela doit dépasser les frontières. Aujourd'hui, ce qui me dérange vraiment, et je conclurai sur ça, c'est que beaucoup de fois, les gens qui ont décidé de planifier depuis des millénaires le déroulement du monde et la répartition des rôles, des richesses, des libertés, eux sont soudés. Eux ne se clashent jamais en public. Ils lavent leur linge sale à huis clos.
et ils n'affichent jamais leurs différences de point de vue pour qu'ils puissent faire corps. Ce que nous faisons, nous, les défenseurs des droits, est délétère pour arriver à un vrai résultat, c'est que nous, dans la peur de ne pas arriver et de voir des méchants partout, nous n'arrêtons pas de nous renvoyer de la peur, de la méfiance, de la haine. Il n'y a rien qui fédère au niveau mondial depuis les 20 ans que j'observe ce monde, l'ensemble des acteurs sur toutes les planètes. Pardon. Ça n'est pas assez fait. Ça n'est pas assez fait. Ça n'est pas assez fait. Je modère mon propos. Ça n'est pas assez fait. Voilà. J'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ce n'est qu'un avis parmi 6 milliards. Merci. Un, deux, ouais, c'est bon. Bon, c'est dommage vraiment que la dame soit partie, parce qu'à la base, je souhaitais parler de la Crimée. Je voulais juste, malheureusement, elle est partie, mais je vais quand même le dire. Rappeler que la Crimée, historiquement, est le berceau de la Russie, qu'elle appartenait à la Russie jusqu'à ce que Khrouchtchev, donc grand démocrate, durant l'Union soviétique, décide de rattacher administrativement la Crimée à l'Ukraine. Et effectivement, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, cette partie de l'Ukraine qui est russophone et russophile et russe, effectivement, a été séparée donc de son pays, et ça a créé beaucoup de problèmes, de bouleversements, de gens qui se retrouvaient tout d'un coup en dehors de leur pays du jour au lendemain. Et effectivement, c'est très intéressant de constater également que Yanukovych, qui n'est comme Saddam Hussein certainement pas un saint, avait été renversé par la Révolution Orange et qu'il a été remis au pouvoir par des élections. Donc là, vous me corrigerez si je me trompe. Et effectivement, on peut par exemple se demander pourquoi l'une des ministres du gouvernement ukrainien était une citoyenne américaine et a dû se naturaliser ukrainienne pour participer au gouvernement. Donc voilà, c'est dommage que la dame soit partie. Et voilà. Merci. Un, deux. Ouais, c'est bon. Oui, donc, j'ai pris des notes, hein, mais je m'y perds. En fait, je voulais parler de Kadhafi et en même temps de la propagande qui a été faite sur lui. Heureusement, je suis curieux et j'ai voulu connaître le deuxième son de cloche, c'est-à-dire j'ai lu ce qu'il a écrit, le petit livre vert que vous avez sûrement lu, parce qu'il est pas très long, j'invite tout le monde à le lire, il y a des trucs extraordinaires dedans, sans le défendre, au moins pour avoir le deuxième son de cloche. Ceux qui l'ont pas lu, c'est intéressant d'avoir les deux sons de cloche pour se faire une idée. C'était sur ça. Est-ce qu'on entend bien ? Non. Monsieur dit que il a voulu se faire une opinion sur Kadhafi et a donc lu le livre vert qu'il a écrit. Voilà. Et ma question était plus précisément sur les sources et la fiabilité de ces sources. Je me suis dit que le mec qui avait écrit un livre, ça s'est avéré, c'est lui qui l'a écrit, ça devrait être donc sa pensée. C'était une source fiable. Ma question, c'est quelles sont pour vous les sources les plus fiables dans l'ordre? Pour avoir des informations véridiques, qui ne soient pas de la propagande. Merci. Entendu. Donc, Monsieur Collomb, moi, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre intervention. Je vous connais depuis de nombreuses années, donc je vois que, comme le vin, vous vous bonifiez avec le temps, ce qui est fort agréable parce que certains journalistes dépérissent avec le temps. Alors, effectivement, vous avez bien évoqué le fait qu'il y a des médias mensonges. Mais j'ai le sentiment en fait que ces médias mensonges sont une part d'un tout, et que finalement tout ceci s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. Dès lors, intéressons-nous à qui sont les propriétaires des médias. On peut évoquer Serge Dassault, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, Xavier Niel, et tant d'autres. Drahi. Pierre Drahi, par exemple. On a tout un ramassis de crapules. Et en l'occurrence, j'ai le sentiment que tous ces journalistes sont finalement à la botte du système, qui ne viennent que valider toutes les dispositions qui sont prises en haut lieu. Et en fait, ma question est, vous avez un pouvoir médiatique, un pouvoir économique et un pouvoir politique. Et quel serait, d'après vous, le dénominateur commun d'appartenance de toutes ces personnes qui, en coulisses, fomentent le chaos et organisent un nouvel ordre planétaire avec, si vous voulez, comme dessein, l'intérêt de ce fameux 1% contre les 99% que nous représentons. Merci. Si vous m'entendez...
Mon intervention est moins une question qu'une remarque. Bon, je pense que tout ce que vous avez dit sur les cinq moyens de propagande de guerre, cacher les vrais objectifs, déformer ou occulter l'histoire, diaboliser l'autre partie, inverser entre agresseur et agressé et monopoliser la parole, s'applique parfaitement, mais vous en avez déjà parlé, au traitement de la question de la colonisation de la Palestine. Je voudrais simplement dire que lorsque tout cela échoue, il y a un sixième moyen qui est utilisé, et il est utilisé à l'heure actuelle en France, qui est réprimer l'action. Bon, à l'heure actuelle, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais la campagne, qui est une campagne non violente de boycott des investissements sanctions, c'est-à-dire qui vise, en fin de compte, à rendre Israël, à l'obliger à rendre compte de ses crimes, est réprimée en France. Il se trouve que je suis un des quatre militants toulousains qui allons passer en jugement le 30 juin au tribunal à Toulouse. Donc je voulais simplement faire cette remarque que effectivement, bon, l'action au niveau des médias est absolument essentielle. Il y a aussi une action au-delà et que elle peut avoir un coût. Que je voudrais vous inviter quand vous sortirez, c'est de signer la pétition de soutien qui se trouve sur la table du Philistin, d'une part, et d'autre part, bon, je fais un bulletin d'information sur Toulouse qui est envoyé à peu près à 1400 personnes à l'heure actuelle, qui est envoyé tous les 15 jours, 3 semaines. Donc vous pouvez aussi me laisser votre mail pour le recevoir et évidemment prendre contact avec l'association soutien à la campagne boycott sur Toulouse. Voilà, merci. J'ai écouté Michel Collanz, j'allais dire régulièrement, si ce n'est quotidiennement, je lis de ses articles ou alors de ses collègues. Je vais donner un exemple de propagande, mais pas dans les médias, mais qui se trouve dans le milieu universitaire, dans le milieu de l'école, lycée, etc. Cet exemple est très simple. Après le 13 novembre, des étudiants de prépa ont voulu faire un débat pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Et parmi les sujets qui ont été organisés avec des professeurs d'historiens, de profs d'histoire des classes prépa, un sujet était sur les Kurdes. Et à ce débat, je voulais y assister, mais comme je suis un étourdi, le jour du débat, je suis pas allé. Cependant, mes élèves y sont allés, et quand ils sont revenus, je me suis dit, je vais leur poser une question très simple. J'aurais dit, alors dites-moi en quelques phrases ce qu'on vous a raconté concernant les Kurdes au Moyen-Orient. Bien sûr, le gazage par Saddam Hussein, et là j'ai dit, c'est normal, c'est un arabe. Puis Bachar al-Assad, gazage des Kurdes, là je leur ai dit, c'est un mensonge. Et c'est tout, je leur ai dit, c'est tout. Après je leur ai dit, mais on vous a pas parlé qu'en 1921, ou les années 20-21, il y a Churchill qui a gazé les Kurdes à Suleiman avec une répression féroce. Je dis, ah non, on ne vous a pas parlé de ça. Mais en même temps, ce que je me dis, les cinq principes dont vous parlez, je suis totalement d'accord, sauf que je crois qu'on est tout le temps en retard. C'est pour ça que j'ai un pessimisme total. Et ça me fait penser, quand vous avez parlé, à l'idéologue Karl Rove, je suis convaincu que vous le connaissez, qui dit ceci à Seymour Hersh, si je me rappelle bien, qui l'interrogeait, et qui lui dit, il suffit, c'est nous qui créons la réalité, et on attend que vous la commentez. Et cela, personnellement, m'amène à un pessimisme lucide. Je prends effectivement quotidiennement comme exemple, juste avant l'intervention en Libye, un professeur me pose la question. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu penses de l'intervention en Libye? Je leur dis, moi, c'est très simple, et d'avance, je te dis, je ne défends pas Kadhafi.
Cependant, les puissances occidentales, et y compris la France en premier lieu, ce qu'elle va créer est pire que ce qu'il y a. Et le pire, c'est qu'ils sont du côté des forces qu'ils croient et qui nous disent qu'ils sont en train de les combattre. Sur le champ, le monsieur, mais tout sincèrement, ne m'a pas cru. Mais impossible de me croire. Impossible de me croire. Or, c'est tout le là et le problème. C'est qu'au moment où on dit, voilà, parce que je ne le dis pas comme devin, je sais ce qui se passe au Moyen-Orient, depuis longtemps. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit ce qui s'est passé, Saddam Hussein, que ce soit la Syrie, etc., mais c'est des choses prévisibles. Mais je me rappelle quand on disait, et il y a un article que j'ai écrit en 2007, Palestine, Irak, maintenant à qui le tour? Mais sur le champ, les gens ne suivent pas. C'est pour ça que je suis dans un pessimisme, mais lucide. Simplement, dans vos cinq principes, il y a un sixième que j'ajoute, c'est partout où il y a la domination de l'impérialisme, ils achètent en premier lieu ce que Paul Nizan et ce que Serge Halimi appellent les chiens de garde. Aussi bien dans les pays sous domination que dans les pays occidentaux. Et je vous remercie pour tous les articles que vous écrivez et que m'accompagne dans mes lectures quotidiennement. Voilà, je laisse Michel répondre. Je pense que vous remarquez comme moi que dans cette conférence, peut-être de formule un peu originale, ça fait énormément de bien d'entendre qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, beaucoup de motivation, et qu'on n'est pas tout seul, et que si on parvient à rassembler ces expériences et ces sagesses, on est capable de constituer une force de contre-information vraiment impressionnante et efficace. Je pense que toute notre réflexion devra être qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être efficace et d'apprendre des expériences qu'on a, y compris des difficultés. C'est évidemment là surtout que on va progresser. Vous avez dit en premier que les puissants, eux, sont unis et n'affichent pas leur désaccord, oui et non. C'est vrai que eux sont bien organisés et nous pas assez, donc je le prends comme un appel à nous organiser beaucoup mieux. En même temps, on est en train de voir qu'il y a bel et bien des conflits très graves entre les États-Unis, l'Allemagne, la France. Quand Obama fait espionner Merkel, c'est pas pour connaître sa vie privée, c'est clairement parce que les intérêts en conflit, le conflit est très grave entre eux. Et les causes qui ont provoqué deux guerres mondiales, on revit la même situation de crise économique profonde et de contradictions qui s'intensifient entre les grandes puissances. Alors nous pouvons conjurer ça, mais il faut être très conscient qu'en réalité, derrière les sourires de façade à la télé, on voit leurs divergences. Et si on ferme un peu la télé et qu'on va regarder plutôt les revues stratégiques comme Foreign Affairs et les revues militaires et les revues où ils réfléchissent entre eux, il y a des think tanks où ils disent des choses très brutalement. Les États-Unis disent des choses sur les Français, sur les Allemands, je parle des gouvernements, comme vous l'avez dit, bien entendu, jamais des peuples qui sont victimes de tout ça. On trouve des choses et c'est à nous à utiliser pour sonner l'alerte par rapport aux conflits très dangereux vers lesquels ces gens sont en train de nous emmener. Tout à fait d'accord sur la remarque historique sur la Crimée. Et c'est très frappant de voir le système de deux poids et deux mesures dans nos gouvernements et dans nos médias sur ces questions. On sépare le Kosovo de la Yougoslavie en violation totale du droit international, mais ça c'est très bien. La Crimée fait un référendum et décide de se rattacher à la Russie à laquelle elle a appartenu historiquement. Ça, c'est pas bien. On est vraiment dans tout ce que les États-Unis et la France sont bien, c'est le droit, c'est la liberté, tout ce que les autres font. Parfois, ils font la même chose que nous, mais eux, c'est pas bien.
Ça, c'est, je crois, très important pour démontrer cette hypocrisie. Vous avez eu raison de souligner la question des révolutions colorées. Je ne sais pas si on voit de quoi il s'agit. Les États-Unis ont mis au point un système, une méthode pour renverser les gouvernements qui les dérangent sans devoir mettre de façon trop visible leurs troupes au choc, au sol. Parce que ça coûte cher, parce que ça provoque des résistances, parce que ils ne peuvent pas aller faire la guerre partout en même temps. Donc, on utilise la CIA, et comme la CIA, c'est trop connu et discrédité, on utilise le National Endowment for Democracy et toute une série d'intermédiaires qui servent de paravent à la CIA pour acheminer des valises de millions de dollars pour acheter effectivement les futurs dirigeants politiques, les journalistes, les syndicalistes, les académiciens, les instituts de sondage. Et ça, ça a été très bien montré dans un livre que on avait traduit en français, Code Chavez, CIA contre Venezuela, où l'avocate Eva Göllinger avait obtenu tous les documents où on voyait que les États-Unis avaient financé et préparé avec des centaines de millions de dollars le renversement de Chavez qui a échoué au Venezuela. Et la même chose, on a publié là récemment Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, et Ahmed Ben Sada a montré comment les États-Unis ont neutralisé la révolte en Tunisie et en Égypte en justement mettant en avant leurs agents qui avaient été formés par la CIA et des blogueurs et des choses comme ça. Ils avaient reçu toute une formation, plein d'argent, et ensuite, ils montrent dans le bouquin très très bien le rôle de Google, de Facebook, de YouTube et de Twitter pour promouvoir des agents des États-Unis. Et quelqu'un a dit que c'était curieux que une personne devenait premier ministre d'un pays alors qu'il était citoyen des États-Unis. Je vous signale que ça se fait de plus en plus dans plein de pays. Il y a eu Karzai, il y en a eu toute une série de gens qui sont bombardés premier ministre ou président et qui sont carrément passeport des États-Unis. Donc on est vraiment dans des méthodes très très flagrantes. Sur Kadhafi et son livre vert, je crois que les vraies raisons pour lesquelles on a renversé Kadhafi n'ont rien à voir avec les prétextes qui ont été avancés. Il y a eu effectivement des médias mensonges très flagrants du Monde, de Libé, de tous les grands médias français là-dessus. Je ne dis pas que Kadhafi était un tendre lui non plus, c'est pas ça la question. Mais les vraies raisons pour lesquelles on l'a renversé sont, un, qu'il montrait le mauvais exemple en utilisant l'argent du pétrole et du gaz pour un développement de son pays, pour l'éducation, les soins de santé, et pour donner un niveau de vie très très élevé aux Libyens, qu'il y avait tout un travail pour l'émancipation des femmes, qu'il y avait un travail formidable contre le racisme, pour le respect des Noirs ou des Arabes à la peau très foncée. Et maintenant, dès qu'il a été parti, c'est vraiment la chasse à l'homme sur base de la couleur de la peau, avec les grands démocrates amis de BHL. Ça, c'est une première raison, mais il y a plus que ça. D'abord, il en avait marre des multinationales US et françaises qui essayaient de l'arnaquer. Il en avait marre de Sarkozy, qu'il avait invité, souvenez-vous, à l'Élysée avec sa tante, viens mon ami, etc. Et en fait, Sarkozy, ce qu'elle lui a proposé, ça j'ai expliqué dans Libye, Autant et Médias Mensonges, Sarkozy lui a dit, voilà, on va faire une grande alliance entre les pays européens du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique, et on va faire une alliance méditerranéenne. Et qu'est-ce qu'il voulait, Sarko, avec ça? Ben, en fait, la France, qui est en grande rivalité avec l'Allemagne, veut créer son jardin et veut donc que le nord de l'Afrique soit une zone économique qui travaille pour la France. Et donc Kadhafi a discuté là-dessus avec lui, et puis à un moment donné il disait, bon, on peut discuter, ça peut être intéressant d'avoir une alliance. Kadhafi savait très bien qu'après Saddam Hussein il était menacé, donc il essayait d'un peu se fournir une assurance vie, je veux dire. Et à un moment donné, Sarko lui a dit, et dans cette grande union pour la Méditerranée, il faut bien entendu qu'il y ait Israël. Alors là, Kadhafi a dit non, ça, pas possible, ok, terminé. Et quand il a dit non à Sarkozy, il a aussi signé son arrêt de mort, ça c'est clair. Mais il y a une dernière raison très importante dont on parle beaucoup moins, c'est que Kadhafi servait de financier alternatif pour l'Afrique.
Vous avez toute une série de pays africains qui sont pillés par les multinationales françaises, allemandes, britanniques, etc. qui ont fait comment ? Prenez l'exemple du café. Un pays africain produit du café. Il est obligé d'exporter la matière brute à très bon marché, à des grosses multinationales qui vont faire la torréfaction, l'empaquetage, la commercialisation, en Allemagne par exemple, etc. Et donc tout le bénéfice, il se fait dans le Nord. La matière première part à très bon marché et l'industrialisation se fait dans le Nord et le bénéfice est parti. Et donc Kadhafi, qu'est-ce qu'il faisait ? Il a dit, je vais vous financer une usine de torréfaction et vous allez pouvoir, ou bien des produits d'infrastructures, ou des choses qui aidaient vraiment les pays africains à des développements dans leur intérêt. Ça permettait quoi ? Ça permettait à des pays africains, qu'ils soient dirigés par des progressistes ou par des bourgeoisies nationales, c'est une autre question, mais ça leur permettait d'échapper au chantage du FMI, de la Banque mondiale et des multinationales. Donc ça, ce sont les vraies raisons pour lesquelles on l'a zigouillé. Vous avez posé la question, oui, ça c'est, il y en a encore trois questions qui sont importantes, sur la Palestine, totalement d'accord avec vous évidemment, la question du boycott des investissements, sanctions, elle est absolument vitale. Israël essaye de faire croire que le boycott c'est pas grave, c'est une piqûre de moustique, etc. Ils en ont terriblement peur, parce qu'Israël est un État économiquement en très grande difficulté. S'il n'a pas tout cet argent des États-Unis pour le soutenir, ils sont fichus. Et donc, l'Afrique du Sud, les gens de ma génération, on faisait les actions de boycott à la porte des supermarchés en disant « n'achetez pas ces oranges, il y a du sang dessus », des choses comme ça. Et l'Afrique du Sud a dû plier, dans un contexte mondial qui a changé à l'époque, c'est vrai, mais pour Israël aussi, hein. Le rapport de force n'est pas du tout aussi favorable qu'on essaie de nous le faire croire. Israël est complètement isolé, détesté. Le Moyen-Orient, tout le monde voit que les États-Unis sont en train de s'affaiblir. Et donc, il y a vraiment une possibilité de gagner contre Israël. BDS est une action centrale réclamée par les Palestiniens. J'ai un projet là-dessus pour ceux qui veulent m'aider. Je manque de temps, il y en a vraiment besoin d'aide pour aider le travail BDS. Je pense que la bataille de l'info sur Israël et sur les firmes qui profitent de la colonisation est très très importante pour gagner l'opinion publique à ça. Donc si vous avez la possibilité de donner un coup de main, vous venez me trouver après parce que on a vraiment besoin de ces coups de main. Alors il y a deux questions très importantes. Les médias mensonges et la propriété des médias. J'ai dans le livre Israël parlons-en analyser le fait que comment pourrait-on avoir la vérité sur Israël dans les médias français quand M. Bouygues, TF1, construit le tram de Jérusalem qui aide à la colonisation, quand M. Dassault, Le Figaro et toute une série d'autres médias dans la vidéo et ailleurs a fourni les avions qui ont permis à Israël de tripler son territoire et est allié. Quand on voit que M. Lagardère, propriétaire, de presque la moitié des magazines que vous pouvez trouver dans les librairies, plus de toute une série de maisons d'édition très très importantes, et de plein de choses dont on achète, je pense, tout ça, même les manuels scolaires des gosses sont faits par un marchand d'armement. M. Lagardère travaille avec Israël et avec l'aide de l'Union européenne pour fabriquer ensemble des drones. L'expérience d'Israël avec les drones qui espionnent et qui vont assassiner les Palestiniens, M. Lagardère trouve que c'est tellement magnifique qu'il y a un projet soutenu grâce à vos taxes par 2 milliards de contributions de l'Union européenne pour aller fabriquer des drones en Europe avec l'aide d'Israël. Et alors M. Drahi, évidemment, qui vient de racheter Libération et toute une série d'autres choses et qui est un citoyen israélien, évidemment qu'on peut pas avoir la vérité sur Israël dans une presse qui est contrôlée à ce point-là. C'est pas seulement la question d'Israël. Un bonhomme comme Bolloré, par exemple, ça c'est un des plus grands voleurs de l'Afrique, c'est un des plus grands voleurs des matières premières et du commerce des Africains. Quand on achète un journal, c'est pas seulement pour le profit immédiat qu'on peut en tirer, parce que les médias sont confrontés à un grave problème de rentabilité avec la bataille d'Internet et la bataille entre eux, et donc un quotidien n'est pas forcément très rentable, mais c'est clairement pour contrôler l'opinion et pour protéger
ses intérêts et ses crimes en Afrique. Ça, c'est clairement pour ça que Bolloré tient à contrôler l'opinion. Donc, on a clairement, chose que Chomsky et Herman, dans le fameux livre « La fabrication du consentement » avaient déjà montré, on a un filtrage de l'information qui se fait par différents facteurs. Il y a la publicité, il y a les liens entre les économiques, les politiques, les médias, il y a l'idéologie dominante, mais le facteur premier, numéro un, c'est évidemment la propriété des médias. Aujourd'hui, tout le monde est libre de lancer un quotidien ou une télé, il faut juste avoir un milliard de capital pour commencer. Donc, on est clairement dans une info qui est faite par des milliardaires, et évidemment en fonction de leurs intérêts. Je trouve qu'il faut faire attention de ne pas dire que tous les journalistes sont à la botte du système, non. Il faut, selon moi, faire une distinction très claire entre médias et journalistes, c'est pas la même chose. C'est pas les journalistes qui ont le pouvoir dans les médias, c'est les patrons des médias, tout simplement, qui décident qui a la parole, jusqu'où on peut aller. Après, il y a des journalistes qui en sont conscients ou pas. Il y a aussi des journalistes qui essayent courageusement de faire leur travail là où ils peuvent, sur certaines choses, dans des conditions pas faciles, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Je suis dans la presse indépendante, donc en faillite un jour sur deux, mais qui, du coup, n'a pas ce problème d'avoir un patron, d'avoir un capital et d'avoir des directives, mais j'ai beaucoup de respect pour les journalistes qui essayent de faire leur travail correctement et honnêtement, et on doit faire, je crois, attention de ne pas les englober là-dedans. J'ai touché un mot sur les liens entre les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques. Il y avait un bouquin remarquable d'un prof du NIF belge, Goens, qui a montré ça très bien, ça s'appelait Tout pouvoir confondu. Il analysait les actionnariats et les conseils d'administration aux États-Unis et en Europe, et on pouvait voir que, aussi bien dans les médias, vous retrouviez tout le monde des affaires, des business, des grosses multinationales, les politiques en fin de carrière ou en cours de carrière, même aux États-Unis vous aviez la CIA qui était dans le conseil d'administration de toute une série de médias, c'est hallucinant. Donc malheureusement ce bouquin il est épuisé, il faudrait qu'on le réédite en e-book sur internet, je crois. Ça, je crois que c'est important de voir comment fonctionne le système des médias. Et je voudrais venir à la, je crois n'avoir rien oublié, à la dernière question qui a été posée par notre ami pessimiste et lucide. Oui, vous avez eu tout à fait raison de dire qu'il y a d'abord un travail énorme à faire au niveau des écoles et par rapport aux profs eux-mêmes. Churchill a effectivement gazé des sauvages, comme il disait, et il s'en est vanté officiellement en disant dans les années 20 « Nous devons utiliser les armes chimiques contre les populations afin d'infliger une terreur durable. » Si ça s'appelle la définition d'un terroriste, et ça c'est Churchill, il y a toute une série de choses abominables par rapport aux colonies, comme on disait à l'époque. Il y a, je pense, un travail très important à faire. S'il y a des prophéties, c'est un appel que je lance. Je comprends aussi la situation de beaucoup de profs qui n'ont pas tellement été formés, qui n'ont pas tellement la possibilité de se former sur toute une série de sujets, mais qui peuvent être curieux et ouverts pour apporter à leurs jeunes quand même des éléments pour leur faire réfléchir. Je crois qu'on a une initiative à prendre. Il faut, à mon avis, constituer des dossiers pédagogiques qui permettent à des profs et aussi à des jeunes qui veulent faire des travaux à l'école d'avoir l'essentiel, le best-of sur tel ou tel sujet. C'est pas possible pour les profs de lire tous les bouquins qu'on a fait, tous les articles qu'on fait, etc. Donc il faut, je crois, concentrer ça dans des dossiers pédagogiques qui permettent justement d'avoir de la matière, de l'inspiration, des sources fiables pour faire des travaux et faire réfléchir les jeunes. Maintenant, sur le point très important que vous avez dit, nous sommes toujours en retard sur eux, et donc je suis pessimiste. C'était vrai qu'on était toujours en retard sur eux, ce ne l'est plus. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait pas de mail, il y avait juste des fax, et ça c'était préhistorique pour échanger entre chercheurs. Et donc quand j'ai fait mes premiers livres sur l'attention média, sur la première guerre contre l'Irak, puis Poker Menteur ou Monopoly sur la guerre contre la Yougoslavie,
Et faire un livre, ça prend du temps. Si vous le faites sérieusement, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'arrivais un an après la guerre, je faisais des conférences et les gens me disaient « C'est bien ce que tu as dit, mais c'est trop tard. » Et quelque part, c'était vrai. Avec Internet, ça a changé. Nous avons maintenant les moyens, sans qu'il y ait besoin d'argent, de diffuser le jour même, si pas une réfutation de ce qui a été dit, en tout cas, une mise en garde aux gens en disant « Attention, au JT, on vous a dit ça, mais c'est la même chose que ce qu'on vous avait dit sur telle et telle guerre et ça a été démenti, ou la personne qui vous informe là, elle n'est pas fiable parce que, ou quand on a ce genre d'infos, on doit se demander si on a entendu l'autre son de cloche, donc attendons un jour ou deux, faisons une enquête et voyons. » Et je crois que ce que vous dites, moi je ne le prendrai pas comme un appel au pessimisme, mais au contraire un appel à l'action, comme je disais au début. Il faut qu'on travaille ensemble à faire, comme fait Informaction, une veille, comme nous avons un projet pour lancer sur les smartphones directement des ripostes très courtes, très simples sur les médias mensonges qui sortent. Et ça, c'est aussi un appel à des coups de main, parce que c'est un gros projet. Donc, si vous pouvez nous aider, venez me trouver à la fin et on en parlera. Je crois que grâce à Internet et aux technologies qu'on a, et si on arrive à former des collectifs, nous pouvons presque immédiatement appeler les gens à la méfiance et à s'informer autrement. Vous savez, les gens sont extrêmement méfiants sur l'information. Merkel a dit la semaine passée que 60% des Allemands ne croyaient pas leurs médias. Mais c'est magnifique. Ils ont un gros problème. Donc, ça veut dire que nous, à partir de là, ça dépend uniquement d'apporter des choses concrètes qui vont dire « Vous avez raison de vous méfier, il y a d'autres informations et il faut réfléchir parce que l'information, c'est une guerre aussi. » Et dans une guerre, vous devez écouter les deux points de vue et vous faire votre opinion. Donc, je crois que on peut vraiment y arriver et je voudrais... Cette question du pessimisme, elle est fondamentale parce que c'est pas facile à convaincre et on peut gagner. En avril 2002, à Caracas, un coup d'état militaire prend le pouvoir, Chavez est prisonnier, on raconte qu'il a démissionné, qu'il est parti et les putschistes occupent le palais présidentiel. Et évidemment, ils ferment les télés publiques et tous les médias, et la télévision, les télévisions privées qui sont ultra puissantes et qui ont directement participé au coup d'État, ils se réunissent dans le palais, ils disent au nouveau président, qui est comme par hasard le président des patrons, comment il doit faire sa com', c'est vraiment un coup d'État médiatique. Et les télés, elles diffusent du baseball et des cartoons. Et donc, et juste simplement, Chavez a démissionné, c'est fini, il y a un gouvernement, tout va reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Tous les médias sont fermés. À l'époque, on commence à avoir des portables, et puis, vous avez des motards qui vont aller dans tous les quartiers populaires autour du centre de Caracas et qui vont aller répandre l'information. Chavez n'a pas démissionné, la résistance continue, rendez-vous au palais. Et en deux jours, le palais, il est encerclé avec des femmes, particulièrement les madres del barrio, qui viennent, qui parlent aux soldats et leur disent « On a un président, tu dois respecter la constitution, tu ne peux pas te laisser faire. » Les soldats, ils changent d'avis, et les officiers aussi, et les officiers vont carrément chasser les putschistes et reprendre le pouvoir et on fait revenir Chavez. La victoire est possible. Vous avez en Espagne, au moment de l'attentat à la gare de Atocha, il va y avoir des élections. Le premier ministre Aznar dit l'attentat, c'est l'ETA. Comme il est contesté, ça c'est le truc suprême, vous le savez, quand il y a un attentat, la cote de popularité du président ou du premier ministre remonte, et tous unis derrière moi et réalisez-moi. Mais les médias disent tous aussi, oui c'est l'ETA, et les gens, en 2005, avec les portables, disent... Le gouvernement ment, les télés mentent, c'est pas l'ETA, c'est, et effectivement, ça s'est confirmé, c'était pas un attentat de l'ETA.
Aznar perd les élections. On peut gagner. Je ne dis pas que celui qui est arrivé après valait beaucoup mieux, mais on peut gagner. Trois, vous, ici, en France, la fameuse Constitution, tous les partis politiques, tous les médias votent oui, la Constitution, ça, c'est pour le bien des Français. Personne ne l'a lu, parce que c'est tellement long, tellement compliqué, personne ne l'a lu, mais c'est pour le bien des Français. C'est un document dégueulasse, c'est un document démultinational, c'est vraiment antisocial, antidémocratique. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez quelques lanceurs d'alerte, comme Génard et comme deux, trois courageux, qui vont lancer un débat et dire « Moi, j'ai lu la Constitution, elle est dégueulasse, il faut voter contre. » Et les Français vont voter contre en résistant à tous les médias. Je sais, après, l'histoire se termine mal. Mais c'est quand même la preuve qu'on peut gagner et que on a entre nos mains un pouvoir de résistance beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Nous sommes, vous savez, eux, ils ont intérêt à croire que nous, à nous faire croire que nous sommes impuissants, qu'il faut se soumettre, etc. Et toute la télé, c'est quoi? C'est pour dire aux gens, voilà, le monde, il est trop compliqué, mais je vous expliquais, c'est très simple, il y a les bons, il y a les gentils, voilà, et vous pouvez rien faire. La télé, c'est vraiment le média de la passivité et de la soumission. Mais là, ici, on a des exemples d'actions citoyennes, de construction de l'information et de débat sur l'information qui fait que on peut y arriver. Donc je crois qu'on doit vraiment revenir à élaborer ensemble cette méthode pour discuter avec les gens sur l'info. Et là, je ne vais pas vous dire que c'est simple. Je vais donner un peu mon expérience personnelle. Ma compagne, elle est flamande. Elle a des deux côtés un total de 17 oncles et tantes. C'est comme ça en Flandre, c'était comme ça en Flandre. Et on est ensemble depuis seulement 5 ans, donc j'ai dû commencer à découvrir tous les oncles et tantes et à discuter dans les dîners de famille. Alors comme ils sont en Flandre, ils ne me connaissent pas, je ne suis pas sur Internet en Flandre, et donc, et tu fais quoi toi, etc. Je écris des livres, ah oui, sur quoi, etc. Et puis, s'il y a de l'intérêt, à un moment donné, inévitablement, la conversation vient sur ce que je fais, sur les guerres, sur la propagande, sur les médias mensonges. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, ce sont des gens qui ne s'y intéressent pas beaucoup, sauf un ou deux, mais ils sont curieux. Et puis, les dîners de famille, c'est long, donc on a un sujet de conversation, c'est bien. Et après, quand je dis, oui, mais tu sais, sur l'Irak, on t'a dit ça, mais en réalité, je viens toujours avec des faits très concrets. Ou sur Kadhafi, ou sur la Syrie, ou sur Israël, je viens avec des trucs comme ça, très concrets, juste des citations, des exemples, des choses très courtes. Et puis, à un moment donné, on voit dans leurs yeux que ça fait peur. Ça fait terriblement peur de se dire « Ah mais si il a raison, tout ce que je crois et tout ce qu'on m'a dit, ça ne tient pas. » Donc, vous avez des gens qui sont « Ah oui, ok, ça me passionne, passe-moi un bouquin. » Et puis d'autres, ça fait trop peur, quoi, ça déstabilise. Donc, je crois qu'on ne doit pas blâmer les gens. Ils sont pris dans un système. Ça, c'est effectivement, on a 60 ans ou plus et on doit renoncer à tout ce à quoi on a cru et commencer à vraiment découvrir des choses qui font peur. Donc, je crois qu'on doit élaborer ensemble une méthode, une pédagogie pour arriver à faire passer des choses très simplement. J'insiste, le message il doit être simple, il doit être court, il faut utiliser des faits, il faudrait, je ne sais pas, des posters ou des choses avec simplement un fait très concret qui est balancé à une très grande échelle par beaucoup de gens et qui flanque en l'air le discours officiel. Et je crois qu'on devrait former, moi j'ai pas le temps de faire ça parce qu'il y a trop de travail, j'arrive même pas à écrire mes livres, il y a beaucoup d'invitations et ça fait du bien, il y a une équipe que je dois diriger, il faut trouver les sous, comme je l'ai dit, on en faillite tout le temps, donc ça c'est un appel à l'aide, donc j'ai pas le temps de faire tout ça, et je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait des collectifs de citoyens qui se constituent pour organiser localement dans certains milieux une manière de répandre et de discuter l'information. Ça, je crois que c'est vraiment la clé pour arriver à vous donner tort sur le pessimisme, j'espère. Alors,
à tous. Alors, j'ai écouté tout ce qui s'est dit, et effectivement, concernant la propagande des médias, et en fait, moi, ça fait 30 ans que je suis un petit peu ces informations et que je suis vraiment militant pour notamment la langue des signes par rapport aux interdictions qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manipulations dans les médias concernant la surdité et la langue des signes. Il y a un gros pouvoir du monde médical, un vrai lobby du monde médical avec beaucoup de mensonges, et les gens se font berner par ça et acceptent en fait ces choses-là. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont victimes, notamment par exemple de leur plan à cause de tous ces mensonges qu'il y a dans les médias. Et c'est seulement tard, à un âge très tardif, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été victimes aussi de tous ces mensonges. Donc c'est pour ça que c'est important que nous aussi, les sourds, on puisse venir avoir accès à ces contenus, se rendre compte qu'il y a des manipulations de la part des médias et trouver une stratégie pour avoir un média alternatif contre cette propagande. Et par exemple, voilà, nous, on n'a pas de, il n'y a souvent pas de sous-titrage, donc on n'a pas accès aussi aux informations alternatives. Et c'est important qu'on puisse voir en fait ce genre de choses avec une accessibilité. Et il faudrait vraiment, je pense, aussi avoir des médias libres. Et il y a besoin de personnes sourdes aussi comme nous qui participent. Et c'est vrai qu'à Toulouse, je vois qu'il n'y a pas vraiment ce genre de médias comme je le voudrais, un média libre. Et en fait, il faudrait avoir vraiment des médias de demain, en fait, avec une nouvelle forme, parce que c'est vrai qu'il y a Internet qui permet d'avoir toutes ces avancées, mais on est encore victime de certains sites comme Google qui n'avancent pas forcément en notre faveur. Et c'est vrai qu'il faut savoir tirer des leçons du passé pour se rendre compte des manipulations qu'il y a aujourd'hui, mais comment avoir un avenir aussi acceptable, voilà. Alors, je suis vraiment désolé pour celles et ceux qui avaient prévu de poser une question, mais c'est vrai que là, on est un peu pris de court. Donc, en tout cas, merci à tout le monde d'être venu. Ça nous a fait très plaisir. Voilà. Donc, si jamais il y en a qui veulent continuer cette bataille de l'information, nous, à Information, on est là, on est sur Toulouse et on essaye de faire plein d'activités. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir prendre des infos. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça va, merci. Voilà. Merci beaucoup. Welcome to Gunship. Okay, but don't be